le prince Charles refuse de se dispenser d'une étiquette royale que le prince William et Kate Middleton ont abandonnée il y a longtemps, a déclaré la journaliste Catherine Mayer dans un documentaire. Kate, la duchesse de Cambridge, a fêté ses 40 ans ce week-end. Les célébrations du grand jour ont été largement réduites, selon les rapports, en partie en raison de l'augmentation continue des cas d'Omicron. On pense qu'elle a passé la journée avec sa famille la plus proche, très probablement à Hampton Hall, Norfolk, profitant d'une célébration privée. Avec William qui aura 40 ans en juin, beaucoup prétendent qu'ils organiseront une fête commune pour leur 40e anniversaire cet été. La reine organisera sa propre fête à William dans l'une des résidences royales, le château de Windsor et Sandringham étant présentés comme les lieux les plus probables, selon The Mirror. Avec le recul, des fêtes communes pour célébrer les anniversaires importants des membres de la famille royale ont déjà eu lieu. Le 40e anniversaire du prince Andrew, le 50e de la princesse Anne, le 70e de la princesse Margaret et le 18e de William ont tous été célébrés ensemble lors d'une grande fête en juin 2000. Parallèlement au 40e anniversaire de William et Kate, le jubilé de platine de la reine en février, encore une autre excuse pour le cabinet de célébrer. Tout cela arrive à un moment où William et Kate se préparent à leur futur rôle de roi et de reine consort, dans le processus de dispense de tradition bien ancrée que les membres de la famille royale avant eux n'ont pas. Le prince Charles, par exemple, continuerait d'insister sur le fait qu'il est officiellement appelé monsieur par des membres du personnel et même certains de ses amis. Les Cambridge, quant à eux, ne sont pas censés le faire. Catherine Mayer, une journaliste, a précédemment déclaré au documentaire d'ITV, Kate, The Making of a Modern Queen, à présent, Kate, connaît les particularités de l'étiquette. Les jeunes membres de la famille royale en ont renoncé à une partie de la manière dont le prince Charles, par exemple, ne l'a pas fait. Il insiste toujours sur le fait que non seulement son personnel l'appelle monsieur et fait une révérence ou s'y incline, mais en fait, beaucoup de ses amis le font. Madame Mayer a fait valoir que William et Kate, aux côtés d'autres jeunes membres de la famille royale, sont à l'origine d'un renouvellement de la marque royale. Le couple royal a appuyé un certain nombre de causes philanthropiques ces dernières années, s'attaquant à la toxicomanie, à l'itinérance et au développement de la petite enfance parmi une foule d'autres. Ils sont conscients de l'évolution de l'ère des médias sociaux et de leur propre importance dans la préservation de la pertinence de la famille royale au XXIe siècle. S'exprimant en 2017, elle a expliqué, « Si vous regardez les types de foules que leur voyage attire, si est-il extraordinaire. » Les plus jeunes membres de la famille royale peuvent le faire d'une manière que les plus âgés ne peuvent pas. Lorsque Charles montera sur le trône, beaucoup soutiennent qu'il deviendra un monarque moderne, ayant défendu des causes telles que la nécessité de lutter contre le changement climatique. Mais, il a maintenu un sens aigu de la tradition et de son importance à la fois dans la famille royale et dans la société britannique au sens large. Dans le documentaire de la BBC de 2018 Prince, son aîné, Charles at 70, l'héritier présomptif a déclaré, « Toutes ces activités étranges qui se déroulent, les gens se déguisent et les choses, sont en fait assez importantes car elles définissent les limites particulières et le chemin dans lequel la Constitution fonctionne parce que rien n'est écrit. » Il faisait référence à la Constitution britannique qui, contrairement aux États-Unis, est très peu écrite et basée sur un amalgame de documents, d'actes parlementaires et de traditions.